Nous voici pour le 12e épisode de Pokémon version éclat pourpre. Une acrome faite par des fans de Pokémon, basée sur la version rouge feu. Donc on reprend là où j'ai arrêté, après une capture fabuleuse de Celebi, grâce à une quête secondaire et facultative, ce qui fait toujours plaisir dans un jeu linéaire. Alors aujourd'hui on va se faire notre rival qui squatte l'entrée de l'arène, suivi de, je l'espère, l'arène Pokémon de Porygyra. Et comme c'est un marin à Chalm, je me suis dit, il doit avoir des Pokémon eau. Donc je me suis dit, allez, on va prendre les Pokémon qui résistent au type eau. Parce que bon, les trois types proches entraînés, j'avoue que c'est pas vraiment un bon plan. Parmi ce monde, donc il y a Elinon, Ludicolo, qui va être très à l'aise contre les Pokémon eau, il n'y a aucun doute à ce sujet. Bon, Morontar, donc les types proches ténèbres, qui n'a qu'une vulnérabilité en type eau, mais qui a un bon stab type ténèbres et séisme. On peut peut-être potentiellement compter sur lui. Liguil aussi, qui doit aussi plutôt bien s'en sortir. Donc le Léviator. Nanmora niveau 59, le Granina. L'OTC Florizarre qui va se faire un grand plaisir sur cette arène, je n'en doute pas. Et Manar, si jamais il y a des Pokémon de type glace et eau dans cette arène, ouais, il pourra toujours les cramer. Ou faire des bons coups de pied super efficaces. En cas où, on sait jamais. Allez, on va se faire botter les fesses du rival. Ah, une Pokémon de Porygyra, champion Ashab, marin dans l'âme. Hé, dégage! Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es ici pour l'arène? Arrête-toi, même un champion aussi naze, c'est trop fort pour l'insecte que t'es. Ne me fais pas rire, pose-toi de là. Je commence à en trouver ça lassant, tes provocations dignes d'un collégien. Ah oui, la référence au collégien, ça me fait bien rire. Ce n'était pas de la provocation, je te trouve vraiment faible au possible. Ouh, provoque! Bon, là tu me saoules, mais bon, on savait tous les deux comment ça allait se finir. Amène-toi. J'adore la réaction aussi collégienne de notre personnage joueur. Un combat est lancé par Dresseur Silver. Ursa Ring, avec un ring sur son ventre. Shiny. Alors, bon, ces 5 Pokémon ont une Vessitrus, hein, c'est pas compliqué, je vais en piquer 2. Façade. Allez, on lâche avec Giga Sensu. Pouf. Par ici l'XP, alors Nidoking. Ouais, je vais quand même le prendre. Bon, il y a une probabilité assez forte que je me fasse empoisonner. Hein. Intimidation, ça calme toujours un peu. Ouf. Par ici la baie. Oula. Ça risque de faire mal. Qu'est-ce que je fais? Je switch ou... Ouais, je switch. Allez, je vais pas prendre de risque. Encore une intimidation. Oh putain! Parfois je soupçonne dans ce jeu en difficulté difficile qu'ils anticipent nos switch et tout ça. Ah bah oui, succès critique! Allez. D'accord, j'évite le poison mais je me paye une paralysie. Ectoplasma. Bon. Oh bah tiens, on va l'utiliser lui. Ouais. Même s'il va foutre sa tempête de sable. La tempête de sable fait rage. Alors, ce qui est marrant dans ce jeu, c'est que dès le tour 1, ils se prennent la tempête de sable. Alors que normalement, c'est pas censé être le cas. Machouille. C'est super efficace. La ligature, bah forcément. Il va mettre son premier Pokémon. Allez, switch. Allez, prenez-vous la tempête de sable, ça me fait plaisir. Giga Sensu. Hop là. One shoot. Donc, ouais, il était quand même niveau 46. Hein. Démolosso, là, on va switch.
Oh, je reviens sur... Non, lui. Allez, prenez-vous la tempête de sable. Un petit stratopercute. Méchant chien. C'est super efficace. Vous avez battu Dresseur Silver. Encore une défaite. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Donne ton Pokéfric. Bon, ben, ça finit comme ça, comme d'habitude, quoi. Allez, va jouer dans l'eau avec l'autre débile en poisson. Moi, je me casse. Bon, ben, je vais faire une petite ellipse. Le temps d'aller soigner mes Pokémon. Donc, ellipse. Re... Voilà, je vous ai épargné l'aller-retour en centre Pokémon. Donc, tous mes Pokémon sont frais dispo. Allez, on va se faire cette arène. Il est temps d'y rentrer. Salut, graine de champion. Tu sais, en cette arène, il faut avancer en sautant sur les parasols. Fun, non? Quoi? Ah, bah, c'est une piscine, son arène. Eh ben, allez, on fait le tour. Baroude d'honneur. Baroude d'honneur. Non, on peut pas sauter. Ok, histoire d'avoir un petit repère. Donc, on ne veut pas se mouiller, hein, c'est pas plus simple de nager. Point d'exclamation dans ta tronche. La force n'est pas, pas tout. Avec les Pokémon, l'important est d'avoir une bonne stratégie. Je te prouverai que la stratégie ne peut pas être la force. Allez, des boules. Larcin. Par ici la baie. Cascade. Ce n'est pas du tout efficace. Giga Sensu, ça va faire beaucoup plus mal. C'est super efficace. Tartani et KO. Quoi? Merci pour le Pokéfric. Alors, le mari, ils sont garde à vous, hein. Alors, tu mélanges la force et l'esprit, c'est remarquable pour un dresseur de ton âge. Allez, on récupère la baie, sinon on serait bête de. D'ailleurs, t'as impossible à utiliser avant le prochain badge. Voilà. Pour ceux qui se posaient la question, tu as surf. Ok, ça sent le chemin unique. Ah, tiens, il n'y a pas de point de retour possible. Hein? Pourquoi faut pas sauter là? Ah, bah j'ai trouvé le chemin du champion. Petite sauvegarde. Sauf que, comme vous pouvez le savoir, si vous faites le champion dès maintenant, bah vous pouvez plus faire les dresseurs, donc c'est de l'XP et de l'argent perdu. Ok, donc il faut passer par là. J'ai compris la logique, c'est bon. Sauvegarde. On tape. Tu m'as pas l'air bien courageux, toi. Ouh là là, il y en a des Pokémon, lui. Avec Krabos. Merde. Pas grave. Giga Sensu. Lamantinant. Larcin, cette fois-ci, je rate pas. Fais-moi ton surf. Giga Sensu. Bon, je roule dessus, hein. On va pas se le cacher. Serpent, Larcin, comme d'habitude. Oh là là, j'aime pas cette attaque. Réfléchis. Bon, allez, Léviathan. Morsure, ça devrait le. Non, colère. Crustabri, on va changer de Pokémon. Et on va finir tranquillement avec Florizarre. Giga Sensu. Donc la glace ne résiste pas au type plante, oui je sais, c'est une anomalie sur la table des types. J'ai toujours trouvé ça étrange. Bien plus cool que je ne le pensais, allez. Merci pêcheur. Oui, j'ai remarqué. Ah bah du coup... Eh bah oui, on peut encore accéder au champion de par là, bon. Maintenant, on a fait le flanc bâbord, on va se faire le flanc tribord. Oui, parce que je vais faire tous les dresseurs. Et on peut pas sauter là? Quoi ce bordel? Bon. Ah! Si je comprends ce qu'il faut faire dans la vie. Point d'exclamation dans ta tronche! Attendez, j'oublie un truc. Récupérer les objets. Ah bah oui. Je re-sauvegarde. Alors, Coraillon, Larcin, Bécitrus, Giga Sensu, Au revoir, Azumarill, Nanmorna. Intimidation, Larcin, Bécitrus, fais ton point de glace si ça te plaît. Machouille.
Aquaquack. Allez, on finit tranquillement sur Charizard. Allez, juste pour le fun. Machouille. Qui a dit que la roche était faible contre l'eau? C'est le double type qui permet de me prendre l'avantage. C'est fini pour moi? Bah oui. Oh, elle est pas riche. Je vais profiter du reste de ma journée pour prendre un nager. Vous êtes dans une piscine et vous savez pas nager. En tout cas, Ondine doit adorer cette arène. Je vais te montrer les derniers... j'ai récupéré les objets, j'espère. Sac. Oui, c'est bon. Larcin. Ah, oh là là, bon. De toute façon, il y a une double faiblesse. Même avec son amnésie, il va être massacré. Octiri, oui. Larcin, comme d'habitude. J'aime pas cette attaque, j'aime pas cette attaque. Ah bah oui, bah il switch. Allez. Vas-y, te gêne pas toi. Léviator. Allez, mais soyons fous. Prends-toi. Allez, éboulement. Ah, mais t'as pêché de bons Pokémon quand même. Ah. Je vais vérifier un dernier truc. Alors, si c'était le dernier dresseur. Par en haut, par en haut. Ouais, il y a encore un dresseur ici. Donc, je sauvegarde. Merde. Objet. Ah ouais, si j'oublie de récupérer les objets, c'est sûr que ça va pas marcher, hein. Alors, je vais mettre lui en premier. Larcin. Il a pas pris la mêlée ? Ah non. Bon, alors, je sais pas pourquoi il me met dans le rouge, enfin dans l'orange, alors que j'ai plus de la moitié des PV. Tentacruel, on va mettre lui. Larcin, la baie. Merde, je me suis trompé d'attaque. Non, pas grave. Allez, je switch. Giga Sensu, au revoir. Ah, il m'a fait sunter, soutenant là. Waouh, tu m'as eu. Tu as complètement torpillé mon navire. Alors, oui. Ok, on va soigner les Pokémon. Et donc, Ellipse, hein. Je vous épargne les retours en centre Pokémon comme d'habitude. Re. Voilà, mon équipe est fin prête, enfin presque prête. Je n'oublie pas de récupérer les objets. Alors, je suis en totale découverte, je ne connais pas les Pokémon du dresseur, donc je fais une belle sauvegarde. Oh, et Moussaillon, je suis Achab, le champion. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Tu veux un récit de mes exploits de navigateur? Ou bien préfères-tu un combat acharné? Tu sais, quand j'étais navigateur, mon bateau pouvait attaquer par une baleine géante, un Waymer ou un Wellmore, enfin Wellward. Elle était très particulière, elle avait des sortes de symboles sur le dos. Ah non, ça doit être Kyorg alors. Mais je n'ai pas pu la capturer, elle s'est enfuie après avoir coulé mon bateau. Je la cherche encore au sud de Porégir où je l'ai aperçue. Mais si tu es là pour un match, ne perdons pas de temps et commençons. Ah, donc il aurait vu un Pokémon légendaire. Cinq Pokémon, donc j'ai le droit à 5 Pokémon. Alors, ce Pokémon, c'est un sac à PV. Hein. Larcin. Est-ce que je vais pouvoir le touch-shot avec morsure? Il avait reste! Oula! Ok, il veut jouer avec la pluie, pas de problème. Je sais exactement ce que je vais lui lancer. Ce n'est vraiment pas du tout efficace.
double résistance. Hein. Et hop là, soin gratuit. Et ça, c'est stabé. Ah, il est même pas dans le chaos. Ok, donc il a une défense de merde et une défense spéciale élevée. Hein. J'espère juste qu'il va pas me geler. Non, c'est bon. Bon, allez, giga sorcier. Ah, les guérisons, ok. Je refais giga sorcier, voilà, au revoir. Level up. Léviator. Est-ce que c'est son meilleur Pokémon? Parce que je voudrais voler sa meilleure baie. Et j'ai pas moyen de le savoir. Je switch. Ouais, je prends un risque si je mets... Ouais, je prends un risque. La tempête de sable. Bah oui, il peut pas s'empêcher de foutre son sable sur la piscine. Bah d'un côté, on est près de la plage. Hein. Allez, accélère. Niveau 49 quand même, hein, le bestio. Éboulement. Je sais pas si c'est son meilleur Pokémon par contre. Alors on va le savoir maintenant. Je pense que Milobelus c'est son meilleur Pokémon. Vu sa rareté. Vas-y, tempête sable si tu veux. Larsen. Alors par contre c'est un gros tank ce Pokémon, hein. Il a une excellente défense et défense P. Non, P Citrus. Ok, bon, Giga Sensu. Vas-y. 8 dégâts. Bon, je sens que... Bon, il commence à m'énerver, à tanker, là. Je vais le vampigrainer. Alors, vampigrainer. Ça, je sais que ça calme, la vampigraine. Ce n'est vraiment pas du tout efficace, ouais. Allez. Ouais, encore un soin. Il a la... Non, il n'a pas la graine miracle, là. Allez, c'est bon. Quand je disais que Milobelus est un gros tank, on parle de Staller dans le jargon Pokémon. Moi, j'utilise le vocabulaire des MMORPG. Hein. Lagron. Ah non, c'était pas son meilleur Pokémon, en fait. Ben, Giga Sorcier, hein, il va bien morfler. C'est extrêmement efficace. Bah, c'est un one-shoot magistral, là. Allez, hop là, niveau 60. Hipporoi. Je sais qu'il va être à l'honneur. Donc c'est bon... Ouais, c'est bon. J'ai utilisé 5 Pokémon. C'est très important, ça. Ah non, c'est Hipporoi son meilleur Pokémon. Une petite colère, ça va le calmer. La seule attaque qui craint. Je commence à me demander si Léviator, je vais le garder dans mon équipe finalement. Cette attaque. Battu par un Pokémon haut. Hein. Je chavire, tu as coulé mon navire, tu mérites une récompense. Prends ce badge vague. Il vous donne le badge. Le badge vague te permettra de naviguer sereinement en mer. Et je te laisse un petit cadeau pour ton embarquement, nous saignons. C'est étroit. Vibraco, je suppose. Oui. Ah, je peux surfer. Ah non, on n'a pas le droit de surfer dans la piscine. Je veux surfer sur ta piscine. Non, impossible.
Bon, il est pas particulièrement difficile, hein. Quand on a du Pokémon de type plante, et encore mieux plante et eau, alors là, la résistance... Ouais, bon. Non, non, je vais pas te parler. Arène Pokémon de Poirigir, champion de chasse, vainqueur à Nario. Bah, l'arène est terminée, c'est bon, hein. On va pouvoir surfer et peut-être récupérer quelques objets qui nous narguaient sur les routes précédentes. Bon, je vais m'arrêter là. Bah, je vous souhaite une bonne soirée à vous.